C'est avec un pile d'indignation, gros qui est sauté, on a coupé le bien bas pour saluer tout peuple haïtien qui passe se plier chaque jour en bas gangou, chômage, la misère, gang, insécurité et la trier. Chaque jour qui passait, la vie moune vient pas dire rien devant j'ai l'état ak bandi. Kidnapping ak assassinat vient tourner une routine qui continue à quitter gou en mêl en bouche population. Insécurité globale ça la cause en pile l'école fermé porte yo dans quartier côté gang yo a pas fonté yo. Plus passé yon millier l'école fermé porte yo sous pression guerre entre bandi armé qui donc insécurité a un gros impact négatif sur fonctionnement en pile l'école dans pays a. L'ensemble ça Ani a continué à exiger Premier ministre Ariel Henry, chef CSPN, directeur de la police et tout reste autorité dans l'État pour dégager au coumet Jean-Jacques, pour rétablir la paix pour l'école carré l'ouvrir dans le quartier côté gang a opéré. Ani constate année académique 2021-2022 par rapport à 5 dernières années scolaires qui sont passées, il y a plus de jours de classe qui arrivaient sauvés. Ani a félicité tous les parents, élèves, tous les professeurs, tous les directeurs, tous les suppléants. Tout civé en censé, tout cadre dans le système éducatif là, qui malgré mal cité et insécurité a te permettre année académique ça à boucler. Si moun yo passe plus jou l'école dans la classe, même si gen un pilote qui pa gen chance aller l'école, même osnon qui pa fait tout jou l'école, la cause insécurité gang yo. Blayi dans tout côté dans pays ya. Dans sens ça, ani a exigé bon jamezi pertinent. Bon côté autorité responsable pour permettre tout le monde aller à l'école dans l'année académique 2022-2023. Nous continuons à faire gros pression sur l'autorité pour gagner plus l'école, centre professionnel et université construit dans le pays. L'éducation est une priorité de l'État et toute société. Nous avons considéré dans quelle situation déplorable et conditions pays. Nous-mêmes, dans l'année, nous avons un budget d'éducation qui passait de 9% à 13% par représenter un gros bagage. Nous avons demandé à tous les syndicats dans le secteur pour nous mettre tête ensemble. Pour lever campé contre l'autorité responsable, pour exiger dans le prochain budget éducatif, une augmentation de 25%. Une façon pour que plus de monde qui à l'école, plus l'école qui fait, et renforcer l'école, équiper avec bon gens, laboratoires, bibliothèques, informatique, auditorium et matériel sportif. Nous-mêmes, dans l'ANI, nous croyons que c'est pendant 4000 gouttes sous salaire chaque 3 ans qu'on résout le problème de conditions d'existence matérielle professeure. Mais plutôt, c'est bon genre application grille salariale là, avec bon genre avantage social qui résout le problème matériel professeur. Zach Sayo a permis le métier enseignant de plus de valeur. Empêcher chaque année pour nous toujours dans la crise salariale enseignant. Faut que le problème Sayo résoudre une fois pour toutes. Solution 1, digital dans l'application grille salariale là, avec bon genre avantage social. Pour finir, Annie a demandé à tout notre syndicat pour nous protocoler tête ensemble. Pour nous arriver à poser problème qui a placé le système éducatif, nous proposer bon genre solution solide qui a bridé de sauver l'école. On continue la bataille pour une éducation inclusive qui bobo avec la réalité. L'école qui a sauvé Haïti, on sauve l'école.